la Liga Internacional Socialiste, nous sommes ici face à l'ambassade de la France en Argentine à Buenos Aires pour rejeter la décision qui a pris aujourd'hui le tribunal administratif de Paris pour nier par quatrième fois la liberté aux prisonniers politiques les plus anciens de l'Europe, le camarade Georges Abdullah, combattant de la liberté du peuple palestinien. Alors, comme à Paris, comme à Beyrouth, comme d'autres villes dans le monde, nous continuerons cette lutte. Nous avons laissé une pétition à l'ambassade et signée par des organismes des droits de l'homme, par le prix Nobel de la paix et argentin Adolfo Pérez Esquivel et par la maire de la place de Mai, ligne fondatrice Norita Cortiñas, en exigeant la liberté pour le camarade Georges Abdullah. Nous allons continuer cette lutte et au nom de la Ligue, au nom de la campagne unitaire de toutes les organisations des droits de l'homme, de la gauche et de soutien à la lutte du peuple palestinien, nous allons continuer à mener cette campagne jusqu'à la libération du camarade Abdullah. Abdullah, liberté.